Austérité, mais lyrisme. Telle l'église de Ronchamp, telle l'architecture de Le Corbusier. Le Corbusier n'est plus. Ici se résume sa vie. Apte à transiger, freiné par les années de guerre, il dut attendre d'avoir dépassé sa maturité pour appliquer les grands principes qu'il avait découverts dans sa jeunesse. Ses convictions, ses goûts, il les exprima à travers de multiples écrits et de façon si péremptoire qu'il vécut dans un climat de défiance presque jusqu'à ce dernier jour de 1965, où une crise cardiaque le terrassa alors qu'il nageait en Méditerranée.